À table. Alors, qu'allons-nous manger? Pour savoir quoi manger, il faudrait déjà y voir clair. Sortons tout. Wouah, t'as raison, c'est mieux. Maintenant, on pourrait peut-être trier. Mais comment? Oui, bonne idée, la vache. On pourrait commencer par classer ce qui est d'origine animale. Je vais essayer. Alors, les aliments d'origine animale, si vous pouviez vous réunir, ce serait vraiment, vraiment gentil. Les viandes, les poissons, les œufs, et vous aussi les yaourts et le fromage. Et oui, vous avez subi une transformation, mais vous êtes fabriqué à partir de lait, donc d'origine animale. Non, pas toi le brocoli. Reviens, on va classer tout de suite ce qui est d'origine végétale. Je m'en occupe. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez voir le festival végétal. Venez les légumes, les céréales, les fruits, le pain de mie aussi. Et oui, tu es fabriqué avec du blé, donc tu es d'origine végétale. Parfait. Et l'eau, on la met où? L'eau et le sel sont d'origine minérale, alors on les classe à part. En fait, tout ce que l'on mange vient de ces trois catégories. Le végétal, l'animal et le minéral. Tiens, regarde, la tarte à la tomate et aux chèvres ne sait pas où aller. Pour la tarte, c'est plus compliqué. Il y a de la farine de blé pour fabriquer la pâte et aussi des tomates, donc du végétal. Et puis, il y a le fromage de chèvre, d'origine animale. Mais dans la pâte, il y a aussi de l'eau et du sel qui sont d'origine minérale. En fait, cette tarte contient les trois catégories. Végétal, animal et minéral. Alors là, je sais pas où la classer. Moi je sais. Maintenant que tout est trié, on pourrait peut-être la classer comme déjeuner, non? J'avais la même idée. En complétant avec une salade et un fruit, notre repas sera équilibré. Allez hop, jolie tarte. Viens vite te ranger dans notre estomac. Oh oui, on va te faire une petite place.